musique dynamique de faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut désamorcer les bombes et tout, machin. Et voilà. Là, je pense la dernière, il restait plus grand chose, non. Je pense. Hein. Ah ouais, non, ça se joue à 10 secondes, je pense. Ouais, je pense aussi. À tout moment, elle me pétait dans les mains quand j'étais en train de diffuser, j'aurais sursauté. Ouais, grave. Désolé, j'ai quitté sur vrai exprès, vous pouvez me réinviter. Tu peux rejoindre directement. Carte régionale. Ah bon ? Normalement, ouais. Juste quand tu lances le jeu, en bas à droite, tu peux rejoindre. D'ailleurs, peut-être que, en vrai, le. Enfin, prise de tâche, ça a changé, hein. C'est-à-dire ? Bah avant les mecs ils nous repéraient à l'autre bout de la map, bah, maintenant c'est plus pareil. Là clairement l'IA était quand même, enfin le jeu est quand même moins difficile que ce qu'on a connu nous. Ah clairement. Ah avant. Ouais, je suis d'accord. Bah moi j'ai juste fait la 415 Park House là et la boîte de nuit, c'est les deux seules maps que j'ai fait. Ouais. La boîte de nuit avant elle était... Ah boîte de nuit c'était impossible hein. Bah attends parce que du coup là si on joue en mode... Salé le bœuf saté ou quoi? Faut qu'on change d'équipement. Parce que prise d'otage, on pouvait pas utiliser une open ball sauf quand on se faisait repérer. Et genre fallait utiliser les soit les tasers, soit les merde, les le spray. Ah ouais. Comment ça le spray? En fait, t'as un spray. Le pepper spray. Pepper spray. Pepper spray. Ouais, mais qui ne marche pas si les mecs ont un masque à gaz. Ok, bah j'en ai donc jamais vu encore des masques à gaz sur des mecs. En gros, si c'est exactement comme on l'a fait, t'as un endroit, enfin sur la majeure partie de la map, t'as rien du tout. Ok ? Ouais. T'as un endroit où il va y avoir genre deux mecs qui sont à côté d'otages et un mec qui roam parmi ce mec là, donc très probablement dans le hall principal ou un truc comme ça. À côté, dans la map, tu vas avoir un ou deux bonhommes qui peuvent se balader, en gros. Et okay. Si tu fais du bruit et que tu n'utilises pas soit le taser, soit le truc, ils défoncent les otages. Et ils n'hésitent pas. Une demi-seconde et t'entends à l'autre bout de la map, t'entends bam, 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 échec mission. C'était comme ça avant. Donc avant, il fallait qu'on joue sur des timings de ouf, où il fallait qu'on aille, tu sais, un peu comme un oignon, comme je disais tout à l'heure, à savoir à aller récupérer un bonhomme. Dès qu'il y en avait un qui sortait un petit peu du, tu sais, de son circuit de roaming, hop là, fallait le choper sans que les autres le voient et sans que les autres l'entendent. Et à la fin, je sais pas comment c'est passé. Parce que à la fin, quand t'attaques, si c'est pas une synchronisation pixel, bah ça part en... ça tire dans tous les sens et les otages meurent. En fait, je me rappelle, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que toi, t'avais un mec à chaque fois. Non, t'avais deux mecs à chaque fois qui roamaient à peu près au même endroit. Tu réussis à les choper avec ton taser. Ouais. Et moi, de mon côté, avec. Je sais plus, je crois que c'était. Je me rappelle plus qui c'était. Mais en gros, il y avait pareil deux mecs de notre côté et où en fait, on envoyait une smoke. Et la smoke ne faisait pas repérer les gens. En fait, on arrive et on les arrêtait directement. Et en fait, après, il y avait la partie resto qui était clear. Et en gros, c'était dans le garage. Tu sais, où t'avais le gros camion, je sais pas si tu te rappelles. Partie gauche du resto. Et en gros ce qu'on faisait c'est qu'on se mettait tous en position. Nous on ouvrirait la porte. Toi tu te mettais de l'autre côté du hangar. Mm-hmm. On envoyait 4 ou 5 smokes plus des. Oui sauf que le jour où on l'a réussi. Le truc de le jour où on l'a réussi, ils étaient pas dans le garage. Ouais. Ils étaient dans le resto. C'était l'une des métas. Et après on a fait la même chose et on avait réussi pour le resto pour le coup. Moi j'étais genre derrière le bar, je me rappelle. Toi t'étais à droite dans le couloir, il y en avait un qui était à l'exté. Et on a tous envoyé le truc en même temps, on est tous rentrés en même temps en tirant. Mais vraiment c'était le zbeulant, on tirait partout. Donc là il faut prendre les pepper spray. Ouais, et le bouclier tu peux l'enlever et mettre à la place. Ça s'utilise comment du coup le pepper? C'est genre c'est une arme, c'est quoi? Ouais, tu tires à moins de 5 mètres. Ok. Mais non mais on va voir déjà, on va y aller en mode normal et on va voir si ça passe, mais ça sert à rien de parce qu'ils ont changé pas mal de trucs hein. Ouais, c'est tu le mets à la place du taser ou bien? Non tu peux pas ça. Non le taser c'est une secondary. Le pepper spray c'est un tactical. Ok. Mais les tacticals ça se lance comme des grenades non? Le tactical non, ça se met à la place des wedges. Ok d'accord. Prêt ou quoi? Je jouais pas les wedges pour ça. Non, tu fais edit slot, enfin save slot et après.
En gros, c'est ça. Je vois pas où il est le... L'extincteur, ça. Le pepper spray. Ok. Bon, c'est pas mauvais, ce bœuf saté, là. Il me donne tellement envie, j'ai tellement faim. Ah, il est trop bon. C'est tellement mieux que des chips. Avec des petites cacahuètes, là. Il y a des petites noix de cajou. Il y a quoi? Ah, ils ont mis... Bah, après, je viens de tout manger, déjà. Mais putain, il y a des petites carottes, il y a des petits... J'ai pas mis ici pour souffrir, ok. Il y a de la petite sauce là, un peu relevée, un peu sucrée. C'est très bon. Avec du riz bien cuit là, j'aime bien ça. En tous le spray au poivre ou pas? Moi je l'ai pas trouvé alors je le prends pas. Et puis s'il est pas content c'est la même chose. Là qu'a bouffé son bœuf. Il va balancer une grenade à fragmentation le nano. J'ai bientôt fini. J'espère que ça en valait la peine. Ah ouais, ah, vraiment. Non, je me force, en plus j'ai plus trop faim. Ok, bon. Du coup. Yo, oui, salut tout le monde. Ok. Du coup. Je sais pas, non mais pourquoi le pepper spray? Parce qu'on part sur l'idée que ça va être comme avant, mais ça se trouve, ça a rien à voir avec avant, quoi. Ouais. Donc, bref. Un truc de test. Ouais, hein. Let's go, on va voir, on y va et on teste. Mais l'idée, c'était. Enfin, ouais, on verra, on verra. Et le gaz lacrymogène, il faut pas l'utiliser du coup. Bah si, si, si. Oui, mais c'était... Ça peut être, on l'avait utilisé... Je sais plus si on l'avait utilisé. Hein. Si, si, on l'avait utilisé. Ouais. Parce que ça... Il y avait une grosse zone d'effet. Pourquoi j'ai que deux grenades? C'est relou, ça. Ah, on verra ce que ça donne. J'ai pris 6 lacrymo et 6 pepper spray. C'est le truc où il faut être silencieux, sinon ils exécutent les trucs, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, mais je sais pourquoi. En fait, quand vous sélectionnez les sets dans Safe Slot, par exemple 4 grenades, tout ça, après, il faut aller dans Safe Slot et rajouter manuellement les grenades, en fait, les remplir. Ça fait 6 mois quand même que c'est comme ça. Non, parce que tout à l'heure, quand Six il disait ah, mais je comprends pas, j'ai pas de. J'ai pas mes wedges, j'ai pas mes trucs, en fait. Non. Bah si. Oui, tu as raison, il faut le faire, mais je l'avais fait et il y a quand même un bug. Ah. Oui, je sais, tu attribues les slots et après, en fait, tu augmentes ton slot de munitions et après, tu vas mettre les munitions là où il faut, je suis d'accord. Yep. C'est un peu débile, mais je l'ai fait tout à l'heure. Il y a vraiment un bug. Ouais, tu peux ranger ton bouclier. Hein. Ok. Non, je sais pas, je suis pas sûr. Bon, les suspects ont pris en otage une chambre de civil. C'est à vous de les localiser discrètement, établir une stratégie et agir rapidement. La vie de personnes innocentes dépend de vous. Donc, l'idée c'est quand même, effectivement, à la limite quand même pepper spray, parce que c'est... On se balade dans l'hôpital... Jusqu'à ce qu'on tombe sur des cas isolés. Donc des bonhommes isolés. Et dans ce cas-là, on essaye de les choper. Donc, un. Je réfléchis. Pas de M320, mais quasiment tout le monde avec le truc optique. Pas de shield non plus. Il faut être super, super agile, je pense. Donc pas de shield, ça sert à rien. Et pas de bélier non plus. Prenez le truc télescopique. Ok. Ah bah oui, là, ça sert à rien. Là, il faut regarder ce qu'il y a sous une porte et voir s'il y a un bonhomme, quoi. Et après, une fois qu'on le voit, on va faire, ok, comment on le chope? Ok, on ouvre la porte, tac, et on lui balance un taser. Et on essaie de le prélever, en gros. Je crois que c'est bon, je crois que je l'ai pris. Hein. Ouais. Les wedges, bah ils peuvent rester parce que... Non, les wedges c'est le gaz, t'as raison en fait. On met quoi à la place des wedges du coup?
Pepper spray. Pepper spray. Pour mettre du poivre sur tes chips. Attends, les wedges, t'es où déjà? Quand tu vas dans... Si t'es sur le live, je sais pas, mais... Tu cliques sur les, le truc là et t'appuies directement sur ton truc bloc porte. J'aime bien quand même. En haut, ils ont mis un filtre qui permet d'avoir le truc tous. Et il y a un truc qui s'appelle létal. Et le létal, il enlève les explosifs C2. Et il enlève le pepper spray, qui pourrait visiblement être létal, malgré le fait qu'il soit marqué en non létal. Enfin bref, c'est un peu débile. Ils ont un peu un problème avec leur truc quand même. Ok. Est-ce que vous êtes bon ou comment ça se passe? Ouais. Moi je suis ready. J'y suis presque. Spray au poivre, voilà. Spray au poivre. Vous en avez mis combien, spray au poivre? On s'en fout, c'est... Tu peux pas en mettre plusieurs. Si, je sais pas, moi c'est marqué x2. Mais ça ferait quoi du coup? Bah, moi j'en ai mis 6. Hein? On a mis combien? J'en ai mis 6. Des sprays au poivre? Ouais, y'a pas une utilisation? Ah, ben, je pense que c'est un extincteur égale un truc, hein. Ah ouais? Bah, je sais pas, mais. Moi... Avec y'a pas de R, y'a pas de recharge, donc. Ah ouais? Non, non, mais c'est là, on va. Eh, là, mec, t'as cru quoi? Qu'on allait à. On va pas à une manifestation de gilets jaunes, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, le CRS dans l'équipe. Ah, oh là là, le CRS, quoi. Moi, j'ai pris plein de fois, ça fait là! J'ai plein de fois, ouais, la vie de ma mère, dès que je vois un rond-point, je balance une. Hein? Tous les mecs, les gilets jaunes, rond-point, barbecue, nique sa mère. Je leur balance le gel dans la gueule. Mais quand on a plus. Non? Mais okay. T'en auras jamais plus. Okay. Mais je sais pas, moi il y a marqué x3, j'avoue, mais je crois que si tu mets x1, t'es bon en fait, quoi. Ok, bah on verra ce que ça donne sur le champ de bataille. Bah là j'ai mis x1, mais ça me les enlève pas. Et après Six il va dire eh ben j'en ai plus. Bah, non, vaut mieux augmenter votre sidearm avec le taser, mais le taser il est pas très fiable quand même. Le problème du taser, c'est que c'est un peu comme les door wedge. Le host, à savoir moi qui host la partie, je suis avantagé par rapport à vous. Visiblement, c'est un peu ça qu'on a retenu la dernière fois, quoi. Et mais... puis l'arme principale, c'est bon ce que j'ai mis, ouais, ça c'est bon. Là, j'ai plein de tasers, moi. C'est bon. Arme principale, bah tu restes normal, quoi. Ouais. En revanche, je sais pas comment vous mettez des points rouges. Franchement, l'Eotech est quand même le meilleur des trucs. Hein. Deltardos, toi, t'as le... Comment il s'appelle déjà celui-là, là, avec le point rouge, là? Je sais de pas. VPO là. Je vais regarder. Allez, let's go. Il y a un zoom dessus? Non. Yayou, arrête, tu me donnes la gerbe là, enculé. C'est le Optical SRS. Non, le débile avec son regarde-le avec son extincteur et sa casquette de stripteaser. C'est lequel que tu mets? Tu sais que tu peux tirer en. Le Eotech, ça doit être un 452, je crois. 651, le XM. Non, ou Eotech XMS, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est là que tu dois le mettre, hein, poulet. Hein. Non, il peut le mettre maintenant ici. Ah bon? Attends, Six, faut que je monte un truc. Bench, là. Ah, ça revient au même en fait. Ah, c'est un peu de la merde, ça. Ok. Et donc après, tu fais quoi? Modify weapon. À où droite. Ça à droite. À droite. À droite de l'écran. Quand tu cliques sur ton arme, vas-y, clique. Ouais. Ah ouais, ah c'est pas... Ok. C'est un Holos XPS 3 et non pas ah oui, XMS. Ouais. Vas-y, je vais tester avec ça. Mais je crois que c'est XMS parce qu'ils pouvaient pas mettre XPS. Je pense pas, parce que c'est pas un... Non, pas c'est l'Eotech. Je pense pas qu'ils aient les droits pour le coup. Je sais pas si les poignées de combat. Reduce horizontal. Après, il y a un scope aussi en mode. Sniper. En vrai. C'est comme les JVN. Les JVN, mais toi, ils ont changé aussi en termes de. D'éclairage.
Increased accuracy. Ouais, c'est mieux ça. Petite poignée de combat. De quoi les JVN, elles ont changé? Ok. Ouais, elles ont changé. Attends, faut que je te montre un truc. Non. Non, non, je te jure que c'est utile. Non, c'est grave utile. Non, je veux pas savoir. J'ai découvert. C'est ah à ouais propos de ton arme. Ah bah, je veux pas savoir. Ça a l'air sympa. C'est pas, comment, non, pas. La façon comment tu vas viser. Non. Viens voir. Non. Tu peux changer, tu peux tirer en mode. Sur le déco. Nope. Toujours pas. Quoi? T'as un bon petit cul, hein. Wow. Et vous avez déjà vu le skin Elite de Yana ou pas? Merci Akashi pour les 7 mois, t'es un monstre, ouais. Appuie sur O. On est d'accord qu'ils lui ont mis des boobs. O. Et mais tu vises. O, comment ça O? La lettre la touche O. Bah ça oui. Fait rien. Ouais, ça fait rien non plus, hein. Bah si. Ah non. Ah bah je peux t'assurer que non, ça fait toi, rien je te du vois tout, que ça bouge toi, mais que tu le rehausses, mais moi j'ai pas ça. Bah ok, oh, bah alors ça doit être... T'as changé ta touche de free. Non, grave pas, c'est la... Non, en fait, votre arme, vous l'épaulez comme s'il y avait un laser et vous avez des JVN. En fait, vous visez sans viser avec le viseur. Bah... T'as changé ta touche de JVN? Non, même pas. Pourquoi vous, c'est quelle touche la JVN? Non, mon JVN, c'est N. Bah, c'est N aussi. Normalement, c'est O. Pas changé. Bah là je te vois, bisous, hein, bouger le truc. Bah moi ça fait rien du tout, hein. Bah fais un clic droit. Ah ouais, moi aussi ça le fait. Fais un clic droit, reste en clic droit. Et fais haut. Bah ça fait rien. Ok. Ah, ok, allez dans les contrôles. Dans... Non, on s'en bat les couilles. Mais si, parce que on s'en bat les couilles. Si, parce que du coup, on s'en bat les couilles, nous on balance des smokes, nous on est des CRS, mon gars. Ok. Bah oui, mais du coup, bah en fait tu gagnes en temps parce que, enfin t'es pas obligé de, ouais. Ouais d'accord, ok. Allez go. Merci Akashi, t'es un monstre. On est tous là? Ah non, bah, il y en a, il s'entraîne. Il y a Nano, il faut que tu viennes là. En même temps, vous étiez en train de faire je sais pas quoi avec vos touches O là. Putain la vache. J'en peux plus. Ok, bonjour. Allez. En avant. Let's go, hôpital. Bam. Let's go. Donc là, il va y avoir peut-être une partie. C'est possible que ça fasse. On est 5 et ça va faire 5 groupes de 1, quoi. C'est possible. Qu'on se balade dans une logique d'être assez rapide et d'essayer de prélever comme ça des mecs qui vont roamer un peu à droite à gauche. Au taser. Ou au spray. Parce qu'autrement, si on tire avec nos armes principales, il se peut que ça tire à l'autre bout de la map. Et si on reste dans le même principe que ce qui se passait sur la première map, on peut être à peu près sûr que si ça nous tire pas sur nous, c'est que ça tire sur un otage, que l'étage il est mort et que ça sert à rien d'y aller. D'accord, c'est simple. Comme brief. Bah ouais, là c'est un peu... Ce genre de mission, ça va être un peu du die and retry. Ok. J'ai l'impression que Nano, c'est le clown perdu du groupe. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment des salauds, quand même. Des salauds, Allez, let's go. Ça part à droite, à gauche. Talk to entry team. Entry team, you're clear to proceed to doucement sur les lumières. Je regarde en dessous. Ok. Y'a rien pour moi. Let's go, on peut pusher. Je suis accroupi. Moi j'ai un super à la double porte là, avec une AK-47. Attention. Alors Nano, ça c'est ton arme principale au cas où. Bah c'est fini hein. Je suis mort. Ils ont pas tiré, ils ont pas tiré hein. Ils ont pas tiré, ils ont pas tiré. J'arrive à la porte, tiens. Non, il y a Six qui est en PLS. Ah si, si, ils ont tiré. Ils ont pas tiré en mode les otages, ils ont pas buté. Ah, non, mais t'inquiète pas. Excuse-moi, bah oui, j'aurais dû vous laisser aller libérer contre, les otages. Et, par contre, le spray, il tase à 10 mètres.
Ah ouais. Bah, mais qu'est-ce que t'as essayé là avec ton truc? Bah oui, bah, l'autre. Ça va bien, bon. Moi, je suis sûr que ça a une durée de vie, c'était pas possible autrement. Mais à part ça, il faut pas tirer avec son arme principale, non? Ok. Bah oui, il faut éviter. Je sais pas. Ah, okay, faut essayer, les gars, essayer. La cafétéria, je vois rien là. Non, mais attendez, j'ai utilisé tout mon spray. Y a une durée de vie du coup ou pas? Hein? Oui, y a une durée de vie. Malheureusement, elle est pas indiquée, je crois pas. En vrai, mis à part le poids, un vrai gaz CS comme ça, tu peux pas savoir que. Voilà quoi. Oui, mis à part combien il en reste quoi, c'est le problème du gaz d'ailleurs. Tu frappes dessus. Le gamin, ah ouais, je suis vraiment un enfant. Mais du coup, est-ce que tu pouvais recharger si t'en as mis plusieurs ou pas? Bah, peut-être qu'il en a plusieurs. Hein. Moi, j'en ai mis qu'un en tout cas. Allez, second, on y va. Porte verte. Ok. J'avance. Ok, porte de gauche fermée. Contact à droite. Je l'ai eu. Vous avez trigger impact avec un USP de la cafétéria. Il vient vers vous. Ah bon? Je l'arrête. Ouais, il va venir avec le port. Oh. Ok, c'était lui. Oh là là, je suis tellement... Eh, le call était parfait, poulet. Parce que du coup, ça m'a permis de le pré-shot. Ça fait deux mecs enlevés, c'est parfait. Il y a une porte ouverte. Ne soyez pas crédules, les mecs. Ne soyez pas naïfs. C'est mort, c'est fini. Ils ont été terminé. Ouais, ils ont entendu. Mais quoi? Mais comment c'est? Pourquoi? Ah bah parce qu'ils t'ont entendu utiliser me faire pipi dans la bouche. Oh putain, ta mère, vas-y, on lui vole son 4 heures, fils de... Et là c'est fini hein. Bon alors du coup, visiblement, ok. Bon, deux secondes, sérieux, parce que là, autrement, on y est jusqu'à 3h du mat', je vous le dis. Visiblement, ça a l'air quand même aussi dur que la mission... Bombe. S'il crie, s'il parle, on va mourir. Merci, bah alors on fait comment ? Sergent Bound, nouvel étudiant. Bah, là, ça va être très compliqué, les mecs. Ça va être du die and retry de savoir à peu près où est-ce que les mecs sont, et il faut les instant taser comme moi je l'ai fait, quoi. Tu peux pas. S'il commence à tirer, c'est fini. Hein. Ah merde, en face, contact à gauche. Attends, c'est un reflet? C'est peut-être un reflet. Vas-y, go, Bayzou. Ouvre. Il y en a un dans la cafétéria. Lucas, il part à droite. Est-ce que... À gauche, je vois rien. J'ouvre. Ça a l'air clair, ouais. Il est à droite, t'as dit? Non. Ouais, il est à droite avec une AK. Je peux pas sous sol là. Putain, je suis bugué. Il arrive. Il y a personne dans le couloir. Il y a une porte ouverte à gauche. Ok, vas-y, à droite, c'est fermé. Il arrive? Négatif. Couvre-moi. Je rate. Putain. Attends, tu peux. Je ouais, peux quoi rentrer, quoi qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je prenne un taser. T'es parti sans taser? Bah, en fait, non. Ah enfin, ouais. Si, mais... T'es parti sans taser, donc t'as quoi en arme secondaire? En fait, j'ai mon PA, mais je l'avais oublié de l'enlever tout à l'heure. Mais c'était vraiment très important pour toi de nous montrer le haut. Appuyez sur O, les amis. Une touche qui est à l'autre bout du clavier. Que dans aucun jeu vidéo tu vas utiliser, tu sais. Je sais, moi j'ai Ribay. Ah ouais? Dans Tarkov, c'est la montre. Et ton extract, mais tu peux le jouer avec ta double main. C'est oui. Bah oui. Parce que du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux viser avec le taser sans viser. Pistolet silencieux en mode John Wick. Ah, non, genre les buter. Non, parce que si t'arrives... Non. Parce que si tu les... Bah, si tu les butes, tu vas on va repartir dans, je pense, le unauthorized de l'état... Enfin, je pense, hein. Oula. Bah non, en fait, c'est même le silencieux. Le silencieux, il fait du bruit, hein. Il est pas... Oui. Pas du 22, quoi. Ah bah oui, c'est pas une arbalète, hein. J'ai mis 10 tasers et 5 pepper spray. Normalement, on est bon. La vérité, là, le problème, c'est pas le nombre. C'est qu'il faut le jouer au skill, quoi. Là, je l'ai loupé, ouais. L'autre. Hein? En faisant du pixel line et tout, et c'est le taser, c'est chiant.
Si tu rates, bah c'est fini en fait quoi. Il va tirer et terminer en fait. Donc va falloir essayer. Il faut faire des essais, faut recommencer. Là quand t'as vu le mec, bisous à la limite, tu essaies de le jouer en... ou faudrait balancer une smoke dessus peut-être. Je sais pas si c'est le temps qui va les déclencher au final. Comment on équipe le spray là? Comment tu l'équipes, c'est-à-dire Fuller? Bah je le trouve pas en fait dans le... Bisous, tu peux venir celui-là avec moi? Non, tactical, ouais. Je vais essayer un truc pour le bug du taser. Je vais augmenter ton son. Et comment ça tu le trouves pas, Poulet? Bah je le trouve pas dans le... T'es sur le live ou pas? Bah je suis sur ton truc là, sur ton loadout. Bah mais tu vas pas me voir bouger ma souris. Ok. Ouais, si tu... j'ai le live ouvert. Là si tu vas dans munitions là, bah tu tapes ici. Faut appuyer là en fait. Tu vas par ça. Ah non, pardon, par là. Je tiens juste à vous dire un truc, moi le T ça marche pas. What? C'est toi qui ouvre la porte? Là. Spray au poivre. Faut que t'appuies dans déployable, spray au poivre, et tu vas le choisir là. T'en viens. Attends. Si tu peux. Bah, okay, je vais pas tout bouger, le monde s'en fout. Ouais, t'inquiète. Ah, mais pistolet silencieux serait parfait, hein. Mais là, en fait, le truc, c'est que si t'arrives sur un pistolet silencieux, du coup, tu tires dessus, c'est perdu, parce que tu vas avoir utilisation de la force non autorisée. Mais si tu lui dis put your hands up, nan, et que tu lui tires dessus, bah là, c'est bien, sauf que t'as trigger tout le monde. Et on se retrouve, en fait, dans la même chose que dans le restaurant où c'est très dur. C'est une mission qui est très dure. Elle nous a mis 5 ou 6 heures. Non, non, j'arrive pas. Mais what? Juste un truc. Ouais. Moi, ma commande T là pour voir vos caméras, ça marche pas. Ouais, ah, ça va à crash, je crois. Ah bon? Bah ouais, parce que nous, on peut plus ouvrir les portes en bas. Et là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Non, tu fais quoi? Ça refait le même truc que la dernière fois. Si je suis dans l'inventaire, reste là-bas. Si je suis dans l'inventaire, vous avez plus le serveur. Ouais. Mets-toi au niveau. Ah, ok. Mets-toi au niveau. Attends, retourne. Est-ce que c'est bon, Delta 12 du coup? Non, en fait, quand je clique. Mon laser, tu vas où? Mais quand tu cliques, là, ça fait rien, c'est-à-dire. Sur le mur là. Bah, quand je clique sur ce que tu m'as dit, ça. Y'a rien qui se passe en fait. Je peux pas cliquer pour rajouter des grenades, du déployable ou quoi, je peux rien faire. Mais des déployables. Ah, les gars, ça va laguer. Hein. Les déployables, t'as combien? T'as un à droite là ou pas? Ok, attends. Oh fuck! En gros, en dessous du truc, il faut que tu fasses edit slot pour avoir au moins un truc qui s'appelle un tactical quoi. Il faut que t'aies une poche tactique. Après, une fois que t'as ta poche tactique, du coup, tu fais save slot et tu viens ajouter ce que tu veux. Tu mets spray au poivre et après, tu en ajoutes un, du coup. Ok. Bonne nouvelle, les gars. En fait, le taser, il marche. Vas-y, tase-moi. Ah, là, c'est bon. C'est bon ? Ok. Ah, non, là, c'est bon. Ah ouais, caméra d'équipe, ma touche, c'est là, ça marche. Ça fonctionne pas, pourquoi ? Bah, ça marche moins, en vrai. J'ai l'impression d'être dans une colonie de vacances après, là, avec tous les enfants qui me posent plein de questions. Là, ah non, maman, j'ai envie de pisser et tout. Vise le milieu du corps. Pas la tête. Franchement, j'ai fait caca. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Quand est-ce qu'on mange? Merci, Nix, tu veux une bonne nouvelle? C'est quand même précis, c'est long. Le taser, il marche. Oui, il marche dans là, mec. Il marche là sur un mec qui bouge pas, en fait. En fait, faut viser. Le torse, faut pas viser la tête ni le bas du corps. Oh bah oui. Torse, ah bon moi. Ah moi mais moi je visais toujours l'oreille pour aller choper le lobe. Ah non, bah maintenant que tu le dis. Si je vise pas au milieu, ça ne marche pas. Si je vise vraiment au milieu de biseau, ça marche. Ok, merci Jamie. Ça fonctionne. C'est comme ça tout le monde peut utiliser le taser. Tout à fait, hein, tu as raison. Ah moi je tire au milieu mais tu verras hein. Moi, je tire tout le temps dans l'endroit où c'est le plus simple. Hein. Je vais pas chercher midi à 14h. Hein. Je tape dans le buste. Hein. Donc, explosif C2, peut-être pas. On va pas mentir. On va mettre truc au poivre. On est bon. Poivre. Et ensuite, du coup, Yayo, dans tes options. Si tu vas dans options. T'es là ou quoi? Ouais, moi, je suis là. Non, Nano, pardon. Ah oui, je suis là, oui. Ouais, dans tes options, quand tu vas dans FPS de la bodycam, t'as mis combien? FPS de la bodycam. C'est le premier truc, dès que t'es en plein milieu. Ouais. 60. Ouais, ben... Pourquoi est-ce que ça marche pas, Peut-être qu'il setup sur un autre bouton. Ah, peut-être qu'il a changé de touche.
Non, parce que c'est marqué, justement, je suis allé sous contrôle, je suis allé sous travail d'équipe, je suis allé sous caméra d'équipe, et c'est marqué T. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Je verrai après. Découvre quoi ? T'as un clavier anglais ou... Non, non. Bah non, mais le T, ça bougera pas. Dans tous les cas. Des fois, peut-être ça marche pas, comme vous, avec la touche O. Bon, je sais qui pas. Qui est en train de se faire... Enculé, là. Bon, allez, 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 on y va, allez, hop. Ok, là, si tu fais T, ça fait quoi ? Ici ? Vas-y, fais T. Rien. Toujours pas. Non. T'as fait juste une fois, hein. Là, t'as... Là, t'as fait T, là. Ouais. Refais ? Ok. Ouais. Non, non, mais je croyais parce que je te voyais changer d'arme. Je me suis dit, ça se trouve, t'as bindé. Bah, je sais pas, moi, ça apparaît en haut à droite et en avant, quoi. Bah, ouais. Moi aussi, j'appuie juste une fois et hop, et si tu repuies dessus, ça l'enlève, quoi. Logique. Attendez, je vais regarder si c'est. Maintiens T ? Maintiens T ? J'ai déjà fait. Ah ouais ? Ouais. Contrôle T ? Non plus. Contrôle Alt Sup ? Ouais, bon, c'est. Alt F4. Oh, ça l'a ouvert, c'est le gars. Ah là t'as t- le T de parler là. Deux fois F10. Enfin, je vois que t'as fait tes touches hein. Merci hein. It's quoi mais il dit ouais ma touche haut ça marche. Les serveurs sont down sur moi, le 6 ça a marché. Pas. Oui oui oui. Donc, on était dessus pourtant là on était en ranked sur R6 là on vient d'arrêter parce que les serveurs sont down. Vous n'avez que de gagner en plus. Ah c'est on relou. On n'était pas de gagner en surtout champion. Grâce à moi. Et son clavier Rocat. Mais ouais. Bon, on y va ? Parce que bon. Bah ouais, mais bon, écoutez, débile. Que veux-tu que je te dise ? Voilà. Mais je sais pas pourquoi il marche pas, c'était. Parce que t'as un clavier Rocat, hein ? Et t'aurais jamais dû prendre un clavier Rocat. Voilà, c'est tout. Va dans la barre Windows, écrit avec T pour voir si la touche elle fonctionne. Mais oui, elle fonctionne. Ah merde ! Attends. Les gars. Et le T, attends. Le T, tu sais, c'est la barre avec la barre verticale, tu sais, c'est une barre horizontale avec peut-être que c'est ça aussi notre problème. Hein. Tu vois à quoi ça ressemble un T ? Ou pas ? Oui. Okay. Oui, 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 je vois bien, oui. Okay. J'ai un clavier Rocat aussi depuis 4 ans qui marche à merveille. Tu joues à Rainbow voilà. Six, Benny ? Tiens. Benny, tu joues à Rainbow Six ? Ou pas ? Est-ce que tu joues à Rainbow Six Benny 76000? Oui, je joue essentiellement à Rainbow Six. Laisse-moi te dire, si j'arrive à pré-shot ça, écoute-moi bien, t'as jamais été diamant de toute ta vie. Est-ce que c'est assombre... est-ce que c'est vrai ? Enfin, pas sur PC en tout cas. Est-ce que je me trompe ? Moi, je suis sûr qu'il a été diamant, Benny. Non. Non, je suis P1 MDR. Ah, voilà. Porte ouverte, gauche. Oh merde, ça joue. Si t'avais un clavier autre que Rocat, tu serais diamant. Il y a un mec au fond. Je vais essayer de le smoker pour voir, du coup. Okay. C'est fini. En même temps, il y en a un deuxième. Mais c'est fini de toute façon là. Je crois que c'est fini. Non, ils ont pas tiré encore. Ok, on y va. Mais arrête de m'arroser là ! L'autre il m'asperge le fion ! Vous savez pas quoi, j'ai votre cam. Ah. J'ai un otage, j'ai deux otages avec moi. T'es sérieux ? Oui. Rusher les gars, rusher. Ok. Copy entry team notifying trailers. Contact is refreshed. Ça tire, c'est fini, non ? Non, attends, ça tire sur vous, ah, ça tire sur vous, ça tire pas sur les otages. Non ! Ah, c'est Deltardos, il est retardos. Hein. Non, les otages sont ici, il y en a deux. Bah, ici. C'est pas très grand là, il y aura pas les étages de toute façon. Wow. Ah là, je les vois. Attends, laisse-moi le taser. Je le flic. Ok, don't shoot le mec. Niquez-vous. Allez, c'est parti, let's go. Et du coup, c'est dommage. Quoi l'excuse ? Il est pas bien, mon Switch Titan tactile sur mon superbe cone 121. Non, mais c'est ok, Benny, d'être un joueur casu. J'avais la caméra, les gars. La vôtre. Donc c'est bon ?
Il l'a ouais, dit, c'est bon. il y avait un mec, il était en train de prendre son couteau pour essayer de me planter. Il a dit, les gars, j'ai la caméra. Bah, j'aimerais bien que tu m'aides, mec, parce que je vais me faire planter, moi. Let's go. C'est ouvert, c'est ouvert. Non, c'est fermé. À droite, c'est ouvert. C'est fermé aussi à droite. Ok. J'essaie de pré-shot. Mais prêt. Prends les infos en face. Attends, du coup. Ça, je vais prendre les infos sous la porte. Y'a rien. Attends, ah bah, je le fais. Oh, ça a changé. Ah oui, bah non, je suis con, bah oui. Peut-être qu'il faut juste se manier en fait. Y'a personne. Ça vient d'ouvrir, ça vient de ouais. Gueuler. Vas-y, j'ouvre. C'est parti. Y'a une porte ouverte en face. Hein. Ok, on avance. Bah, elle était pas ouverte avant, non? Ok, je l'étase. T'as un monstre juste. Vas-y, je vais le. Non, suis-moi, on va directement où je vous ai vu tout à l'heure, les mecs. Je suis derrière toi, Six. Regarde ton âme principale. Ok, je l'ai géré. Ah ouais. Ça tire, ils ont tous les otages. Non, on était juste à côté. Ouais, c'est bon. Pourquoi ils ont jeté les otages? Ah ouais, mais attends, parce que les otages sont morts, mais ils tirent encore dessus, en fait. Ah bah j'ai eu un crash, moi. Bah, moi je crois aussi. Ah bah oui, si le host a crash, là, ça va être compliqué pour vous. Delete save data, delete mode data, tac tac tac, crash description. Je lance ce jeu, du coup. It crashed. Non, mais c'est cool, parce que les otages sont au même endroit. C'est la salle au milieu. Bah, c'est la même chose que l'autre. Hein. Peut-être qu'il change sur deux endroits. Hein. Franchement, ça devrait le faire. J'ai pas l'impression qu'elle soit si difficile. Mais la dernière fois, on disait ça aussi hein, sur l'autre. Hein. Et ça se joue à ouais, chaque fois. On comprenait pas et tout. Est-ce que vous voulez pas qu'on parte sur la droite? Crash Rezone. Ouais. Je reviens. Crash Rezone, Nano change de clavier. Bonjour. Quoi? Ouais, change de clavier. Mais foutez-moi la paix, je vous ai rien fait. Ah, bah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ready or Not. C'est pas vrai. Bah si, Crash Rezone, Nano change de clavier. Ah, du coup, on est obligé d'aller sur R6 maintenant. Ah oh là là. Qu'est-ce que vous avez avec mon clavier? Il est très bien. Je vois pas le problème. Du coup, je suis content parce que j'en ai pris deux pour le prix d'un. Et du coup, bah, je suis allé rechercher le deuxième parce que j'ai vraiment très faim. Donc là, je peux vous le faire voir parce que là, je l'ai pas mangé celui-là. Alors, c'est un peu de la gourmandise, hein. Franchement, je suis un peu un enculé. Hein. Et là, vous voyez bien. Il a vraiment pris deux. Vous voyez bien les noix de cajou. Vous voyez bien. Ouais, c'est joli, hein, t'as vu? Ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air excellent. On voit bien le. Je crois que Nano, il en aimerait bien. Oui. Et qu'est-ce qu'il est en train de manger là, cet enfoiré? Bah, la même chose que tout à l'heure. Non, mais sérieux? Oh putain, vas-y, j'ai faim quoi. Bah, je vais réveiller ma femme. Va ouvrir un deuxième paquet de chips, Nano. Mais là, c'est vert du coup avec le. Non, je vais réveiller ma femme, tu vas voir. Je vais arriver. Open up! Drop your weapon. Ça a l'air très bon. Mais ça fait trop. Je devrais pas manger ça. Il y a Benny dans le chat qui aimerait qu'on lui explique pourquoi les claviers ROCAT c'est de la merde. Bah, le problème, c'est qu'après, ROCAT, je vais peut-être bosser avec eux, donc j'arrête de dire des conneries quand même. Ah, voilà, ça y est, le vendu, voilà. Bah, ouais, c'est comme au lit en fait, les mecs. Hein. Je vous fais croire que je bois du au lit, mais c'est une analyse d'urine. Non, mais honnêtement, non, mais pourquoi ROCAT? Parce que c'est devenu un mime en fait, quoi. C'est devenu un mime. Un mime, mais genre mime ou. Un mème, quoi! Ah, ouais, d'accord. Mm-hmm. Ah, mime, c'est pas la même chose pour toi, Nano. Non. Va réveiller ta femme, on va voir, on va lui dire quelque chose. Que je la réveille? Qui a pas. Qui vous What? Dit qu'elle a pas un compte mime? Bah, je. Ah, voilà. What? Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, t'es What? À deux menus là, on t'attend. Ah. Oula, y'a un bonhomme devant moi, c'est qui? Non, mais laisse tomber, y'a un mec là. C'est
C'est qui lui? Non, ah non. Mais non, c'est le nom du perso, c'est Deltardos ou quelqu'un d'autre. Mais non, c'est que j'ai rejoint une game. Bah ouais. Mais non, bah moi je t'ai rejoint aussi. Mais moi oui, aussi, mais vous avez rejoint une game qui était une game une publique session. En fait. J'ai rejoint une autre session. Bravo. Bah ouais. Ah là là. Et on fait comment maintenant? Bah on le rejoint de nouveau. Ah, donc on quitte. Oui. Tu peux faire un drop pour les charmes? Quoi? Je t'aime, Ziscat. Mais prends un sub, du coup. Mais je crois qu'il est sub, en plus. Hein. Oh non, Zephyr, y'a rien, là. Non, mais je parlais de Dowini. Qui m'a dit qu'il m'a parlé. Mais ouais, t'as Dowini, juste à faire point d'exclamation charme, hein. Faut juste qu'il lit son compte Twitch en fait. Mec, tu sais que t'es déjà étudiant, hein, Dwin. Heureux. Quelqu'un t'a déjà payé ton truc, hein. Toujours les subs, l'âge 24, les subs. Bah ouais, mais j'arrête pas, moi. Je reviens vite fait. Je vais devenir la plus grosse raclure de Twitch Game. À défaut de devenir le Samuel Etienne. Bah du coup, je démarrerai tout l'inverse. Moi, je pense que tu devrais m'offrir un clavier et une souris en vrai. Mais mec, c'est toi qui me paye plein de trucs comme si j'étais ta pute là. Tu peux bien te payer ton propre clavier. Je veux bien en revanche passer le temps que tu veux pour t'aider à choisir un bon clavier. Ok, d'accord, ça marche. J'y penserai. Je t'enverrai des photos. Ouais. Bon, amicon. Hein? Quoi? Non, mais t'es encore. Eh, doucement avec Skyros quand même, hein. Non, mais. On sait que tu l'aimes bien, mais. Attendez les deux là. Je veux dire, pour la mission, vous êtes pas chaud, on passe par la droite, on contourne. Et comme ça, on tombe directement dans la salle où il y a les mecs. Ouais. Ah ouais. Les otages. Et après, on fait une protection autour des otages. Là, il est parti au Mexique. Bah, c'est fini. Hein. Il a eu son quota de gigaoctets. 2 gigaoctets par jour. Ah ok, il est revenu. Ah la vache. Non, je mange en même temps. Ouais, bah tu manges un bon gros phallus. Ouais, j'ai le temps de fumer une clope ou pas? Oui, vas-y, on est là. Y'a plus de viewers de toute façon, et puis ils s'en foutent. Il reste que les cons. Ah, ok, d'accord. Non, alors vas-y, c'est bon, moi je reste. Hein, ah non, y'a Zephyr qui est là. Moi je suis là aussi. Moi aussi je suis là. Mais moi, ok, d'accord. Donc pas de clope, c'est bon. Hein. Non, mais vas-y, sérieux, vas-y. Non, mais t'es en train de bouffer, en plus j'ai la dalle, et puis l'autre il se bouffe des pâtes de taille. C'est ton deuxième en plus, envoie-le-moi, putain. Non, moi je c'est pas des pâtes de taille, c'est du bœuf saté. Ah, mais j'ai plus faim. Franchement, c'est vraiment de la pure gourmandise. Moi, c'est un crumble. Ah ouais? T'étais pas à la diète, toi? Alors, en fait, entre-temps, je suis parti à Paris. Ah, du coup... Du coup, mon coach, il est pas content. Et du coup, je profite jusqu'au premier du mois. Du coup, tu te bouffes des crumbles? Bah non, en fait, non. C'est parce que celui-là, il était dans le frigo. Et je crois, je sais pas, il a qui, mais je vais en racheter un autre pour la personne. Mais j'ai trop faim. Mais t'es où, là? Bah je suis au bureau. Mais tu bosses le samedi? Ah mais je crois que t'as pas compris, c'est ma deuxième maison en fait ici. Bah... T'as pas de PC chez toi? Bah non, j'ai tout ici. J'ai un PC, j'ai un écran, je peux tout mettre chez moi. Ok, mais t'habites à combien du bureau de... Juste en face. Genre il te faut combien de temps pour y aller? Ouais, 5 minutes. Même pas. Ah ouais... Donc là t'es dans un bureau en train de jouer. Ouais, bureau, enfin, pour. Je veux dire, si vous voulez voir les locaux, il y a une vidéo qui est sortie ce matin. Toi, l'autre, mais va te faire enculer. Hein. Hey, salut, ça c'est les toilettes, ça c'est malade, là c'est la plante. Salut tout le monde, salut, c'est Skyros. Aujourd'hui, on va faire un petit tour. Mais du coup, je rentre chez moi que pour dormir en fait, et prendre une douche. Mais du coup, là, bah, je reste toute la journée au bureau. As-tu eu des relations sexuelles au Mexique? Ouais. À part avec Skyros, du coup. Non tarifé. Du coup. Oui. Ah voilà, ça enlève beaucoup trop. Et alors? Je te dis quoi? Bah. Visiblement, c'était pas ouf. Bah vas-y, rentre dans les détails. Comment c'était? Bah c'était bien. Un Mexicain, une Mexicaine, je ne sais pas. Bon info. Ça surprend.
Ah, une bite ? Ouais. Non. Ouais, ouais, la première Parce fois. Parce que tu vois les mexicaines, bah en fait, elles sont beaucoup plus comment dire ? Grosses ? Plus agiles qu'en France. Je ah, dis ça comme ça. Pardon. Comment ça agile ? On dirait un violeur en série qui est en train. Elles arrivent à s'échapper. Elles sont beaucoup plus agiles. Elles passent comme ça. Incroyable, j'arrive pas. Et dans les coins pourtant, je casse des genoux, je cache des trucs. Oh putain. Et je devais te dire un truc à part ça. Absolument, avant que j'oublie. Oula. Il y a ma cousine qui te salue bien. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? L'autre, il essaie de me mettre en relation avec sa cousine depuis un an. Là. Elle te salue bien. Elle est là avec toi ? Non, elle est pas là avec moi. Moi, je peux pas avoir une nana qui twerk sur Instagram, c'est pas possible. Elle twerk pas sur Instagram. Elle twerk sur Twitter, sur TikTok, c'est pas pareil. Non, pas non plus. Après, vaut mieux qu'elle twerk sur Instagram que sur Nano. Ouais, alors c'est ça, vrai. Ouais, quand même. Ouais. Il est suisse, hein, ouais. Il est pas calaisien. C'est sa cousine. On sait non, jamais, mais du coup, j'ai pris un Crumble dans le frigo, mais je sais pas il a qui. Du coup, j'en ai acheté un autre demain. Attends. Il y a un dicton en valet. Mais t'es ce genre de mec-là qui, dans un frigo, dans un boulot, trouve un Crumble et le bouffe alors que c'est pas le sien. Attends, sale personnage. Ok, bah alors là. Attends, pour moi, c'est pas vraiment le boulot. C'est ma deuxième maison, d'accord ? Donc, d'accord. Le frigo m'a. Mais attends, j'ai le totem. Ça se trouve, c'est le crumble à Skyros. Il va te faire. Mais je vais faire un altotable. En vrai, j'ai. Je pars sur Twitter. Non, mais en vrai, c'est possible. Du coup, bah. Skyros, est-ce que c'est ton. Je un autre. Recommander un. Vas-y, je peux pas altotable là. Ça m'énerve. J'ai dit, c'est ce jeu, je peux pas altotable. Vas-y, je le fais avec mon téléphone. Je m'en bats les couilles. Allez, ça part sur Twitter. Mais ça se trouve, c'est même pas lui, ça se trouve, c'est à Diego en fait, je sais pas c'est à qui. Hey. Diego, ça c'est bien. Une personne qui bosse. Oh là ici. Là, mais ça pue du cul ça. Mais là j'ai passé, mais j'ai craqué donc. Hey, bah, Sky Rose. Y'a. Yayo. K. Bouffer. Ton crumble. Vous êtes là? Putain, mais le jeu, il arrête pas de faire des gauches-droites, là, il déteste les alt-tables. Allez, bam, ça part sur Twitter. Je dis ça. Trop, c'est même pas le sien. Trop, c'est celui-là, celui de... De Diego. Hop là, le tweet est parti. Qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis Ace Sky Rose en le taguant et en lui disant « Y'a Yayo qui a bouffé ton crumble. » Alto tab. Du coup... Oula. Oh mais ça bug à mort là. Il ah se ouais, passe quoi? Je te vois bugger. Oh là là. J'aime pas ça les jeux qui a. S'il y a bien un truc que dans un jeu qu'on devrait jamais rater, c'est les alt tabs quoi. Ah, oh, je vais devoir relancer le jeu. Non, c'est bon. Ah, nickel. Ouais. Les alt tabs. Putain, j'ai même plus faim. J'ai envie de vomir en vrai, mais je mange quoi. Ah, mais j'ai faim moi. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai mangé le crumble, c'est sa faute. Moi, je vais juste prendre de l'eau de base. Réponds ça sur Twitter. C'est ça. En plus, il y a une petite boulangerie française là à côté, elle est incroyable. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de Français ici, c'est fou. Ils sont partout, ces fils de pute. Putain, je n'osais pas le dire. Non mais en vrai, moi quand je vais à l'étranger, je supporte pas de tomber sur les Français. Ah bah, plein de fois, le nombre de fois où fait and you, where are you from? Me? I'm from Vancouver, you know? Oh, that's funny. Bah non, je te jure. Je... Putain, mais mon... Je sais pas, mon écran, il flicker de partout, là. Il a pas kiffé le total. Bon, il faut qu'on y aille.
Non, bah non, 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 on a le temps, vas-y. Hein. Tu fumes là? Non, non, je t'attends. Il aurait eu le temps de fumer un paquet carrément. Mais je t'ai dit, vas-y. On peut y aller du coup. Mais je suis déjà allé fumer, j'ai déjà fumé. Ah. Mais attends, mais on t'a pas entendu partir? Ouais. Ouais, c'est parce que je suis hyper rapide. Mais non, parce que ah, t'as pas compris. D'ailleurs, en faut fait, qu'on en parle de ça, mais bon, parce que j'ai une discussion avec ta copine. Et... Enfin bref, on en reparlera en live. Hein. Et t'as que 100 FPS, c'est normal? Bah j'ai tout mis en ultra, je host les 4 personnes. L'écran en haut à droite, je l'ai mis en 144 FPS. Donc s'il bouge, c'est très très fluide. Donc ça fait deux écrans au final, quoi. Ouais, je pense que c'est... Voilà, quoi. Allez, let's go, on y va. Ça va être dur. Putain, j'ai 162 ping. Ah bah voilà pourquoi tu rates les mecs. T'as coupé. T'as moi, il a fait 30 degrés. Non mais vas-y, mais... Attends, t'es, mais t'es où? T'es au Mexique, là? Ouais. Il est quelle heure chez toi, là? Bah attends, mais c'est pas l'été. Ah ouais. 15h30, le Mexique, t'es dans l'hémisphère nord. Ouais, mais 30 degrés, mais ça va baisser vite. Là, c'est juste parce qu'il est 15h. Dans une heure, il va faire 25, 24. Ah ouais, ah ouais, c'est ah bon, ouais, là, excuse-nous. Excuse-moi. Ouais, moi aussi, putain. Ce matin, là, vers 15-16h, contre... là, il faisait chaud hein, quand il faisait 3, là. Dès que le soleil se couche, bah là, à cette période, il fait froid. Alors, il fait 15 degrés. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Petite laine, 15 degrés. Je me souviens même pas la dernière fois que la température, elle était positive chez moi, donc bon. Pourquoi t'habites au Mexique, en fait? Je travaille au Mexique. Pour qui? Pour un youtubeur. Et c'est parti. C'est pas lui. Porte ouverte. Ok. Je continue sur la personne principale en fait, c'est ça? Je vais à droite. Y'a un mec à droite! Ah bah je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort là. Putain, ouais. Il était où? Il disait qu'il s'est mangé une tête! Mais il était où? Il était direct à droite. Bah je sais pas, Nano t'as pris une tête, moi j'ai pris une jambe. Non, moi j'ai rien pris moi. Moi je suis pas mort. Ah. Mais bah moi j'étais à la porte à côté de Six et j'ai perdu ma jambe, je sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer une smoke longue droite au cas où et on va avancer et après on pourra directement. Mais la smoke ça va pas les trigger et tirer? Peut-être. Non je crois pas, je crois que c'est pas la smoke qui trigger. Hein. On va tester. Attends, je regarde s'il y a quelqu'un. Ok, il y a Senper. Il y a un mec en face de la porte à 13h, je vais jouer parce qu'il est de dos. Attends, je vais essayer pour la smoke, j'envoie une smoke. Wow. C'est grillé ou c'est... Du coup, c'est horrible parce qu'ils ont nerfé la range du taser. Qui était un peu pété, on va pas se mentir avant. Et donc du coup, là, j'ai pas la range. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'as pas la range sur un mec, quoi? Bah smoke. Bah, tu balances la smoke. Ouais, faudrait voir, mais je pense que ça va les trigger, hein. Ils vont gueuler quand ils vont voir la smoke. Oh, otage. What? Comment ça, otage? Otage à droite, entendu, ouais. Ils sont juste à droite. J'ai pas entendu. Moi non plus. Soit dans la salle bleue à droite. D'accord, j'ai entendu. Bah faut aller prélever tous les autres mecs que ceux-là. Il y a un mec en face du coup. Attends, parce qu'il y a peut-être du monde à l'intérieur, donc attends. Je pique. Le mec il se barre. Okay. Bouge pas. Reste pas dans le passage de la porte. Bah, il va te voir. Il y a peut-être quelqu'un ici à droite, couvrez-moi, je regarde à l'intérieur. Vas-y. Bon, alors je vais avec les autres. Okay, il arrive en face, attention. Deux otages, je vois pas de mecs armés, je rentre. Il y en a un qui vient à la porte à gauche là. Ça a tiré. Ok, j'ai deux otages avec moi. Attendez. Parce que peut-être que c'est. Ah, il y a d'autres otages, vous pensez. Non. Ta mère. Il y a peut-être d'autres otages. Là, j'ai entendu un mec. Je pense aussi. Hein. Et là, il y a un Uzi. Le mec, il vient de sortir d'un Uzi en mode décomplexé du bulbe là. Et je pense que c'était lui qui a tiré et qui a buté deux otages dans un closet. Mais dans la description, c'est pas marqué qu'ils sont enfermés les otages dans une seule pièce. Ouais, je sais pas. Mais je pense que ces descriptions-là, elles bougent pas. Enfin, bref. Ouais, je pense qu'elle date de. En revanche, le taser, moi, il est plus du tout fiable, quoi. Alors qu'avant, je mettais que ça. Moi, là, j'ai essayé de le taser, ça a pas marché.
Bah pistolet les gars, enfin Ok. Je vais tenter les smokes déjà, quand les mecs regardent pas. Mais là ça va être du die on retry. J'envoie une smoke. On va voir si ça a trigger ou pas. Tu vois quelqu'un ou pas? Non, négatif. Non, je vois personne. T'as pas trigger. Ah, deux otages dans ma salle. Tu veux que je smoke? Trois otages. Vas-y, on les arrête. Secondes. Vas-y, j'en arrête un. Vas-y, arrête-les. À droite, je crois, il va arriver. Ouais. La porte, la double porte marron pour vous, les gars. Faites gaffe dans le couloir. Okay. Je pense qu'il va arriver à droite. Attends, je vais regarder par la... Non, non, t'es avec moi. Je vise au-dessus de ta tête, là. Ah, il ouvre, Brune. Ouais, porte brune, il a ouvert. Attention. Il s'approche, il s'approche. C'est bon, c'est bon, calme. Il va drop. Il faut lui faire F, parce que sinon c'est un autre reset force. Vas-y, arrêtez-le. Va jouer le closet de l'autre côté, Nano. Le closet, ok. C'est moi. T'as traversé la porte. Ok. Ok, venez les gars, venez. Tu la reportes? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, venez. Vous avez des wedge ou pas, du coup? Non. Je joue là tout seul, ça, Nano. Attends, je vais regarder sous cette porte. Closet. Ok, y'a rien ici. Ah, ça a rien trigger pour le moment. Ouais, non, on est pas trop mal, je crois. Dans l'accueil, y'a rien. Je vois rien du moins pour l'instant. Ok. On arrive de l'autre côté, hein. Je sais pas si vous me voyez. On ouvre la porte. Ouais. J'ai vu c'est sur moi, ici, les gars. Ok, j'ai la porte. À droite, non? Ouais, j'ai entendu du bruit. Comme si le mec arrivait là. Attendez, je vais quand même vérifier. En vrai, ouvre la porte, je smoke, hein. Non, il est pas là. Doucement, c'est là, ah, c'est derrière. Ouais, il est dans la pièce. Ah, ok, j'ai un otage en face de moi. T'en venez, les gars, passe par là. Ok, t'es où? Deux otages en face de moi, main courante à droite après les deux. Un reste pour tenir la double porte et je l'ai avec moi. Doucement, il y a un mec effectivement armé. Ok, si quelqu'un veut regarder en dessous pour se donner une idée de ce qu'on est en train de regarder. Il y a personne dans le couloir. Moi je vais aller voir là de l'autre porte là-bas, voir ce qu'il y a dans l'autre porte. Celle-là tu peux regarder, celle-là elle peut être ouverte du coup. Celle-là il y a rien. Bah, celle-là tu peux l'ouvrir, mais en fait ça donne vers la pièce où il y a les otages. Ok, deux otages avec deux mecs armés. Je pense en vrai d'Eldardos. Vas-y. Et du coup de notre côté ils sont... Ok, là il y a un autre... Tout ça c'est la même pièce en fait. Okay. Va regarder en dessous, tu vas comprendre du coup. Chacun qui a un périscope là, vous regardez en dessous pour avoir une bonne idée du truc. Ouais. Je pense que là... Les toilettes est fermée. C'est ouvert à gauche ou pas Ouais. Si on ouvre puis on balance une smoke direct. Non, négatif. Là je pense que... Non, négatif. Écoutez-moi. Les deux toilettes sont fermées. Please, écoutez-moi. Nano. Ouais. Yayo. Ouais. Ok, va dans le couloir derrière s'il te plaît. Et essaye de retrouver main courante à gauche. Fais que de la main courante à gauche là. Please. Encore. Gauche, ok. Ça donne vers les otages. D'accord. Il y a exactement une porte, deux portes, trois portes, quatre portes qui donnent vers les otages. Ok. La double porte, c'est celle où Yayo est. La simple porte, là, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure où tout le monde a regardé en dessous son truc, ok? Vous voyez ou pas? Si vous voyez pas, faut me le dire tout de suite. Hein. Non, après, il y a non, la là, porte là, du guichet, c'est celle que Yayo a... C'est celle que Nano a regardée. Et il y a celle, en fait, où je suis. Si vous regardez en face de la double porte, si vous regardez sous la double porte, moi, je suis en face de vous, là. Ok, je vois c'est quelle pièce. C'est les sortes de bureaux, là. Oui, mais vous la voyez, la porte, en face de vous? Ouais. Eh ben, c'est moi. Là, je suis à cette porte-là. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, on va tenter un truc qui va être que, si je suis pas trop con, la porte qui est ici, je vais l'ouvrir. Juste, attends, marchez pas trop vite, hein, on est à côté. Hein. Ouais. Parce qu'ils nous entendent aussi. Je vais piquer cette porte. Je tente. Vas-y, moi j'ai vu sur les deux premières otages. Doucement, tranquille. Nano, je t'ai pas demandé de prendre une ligne dessus, hein. Ok, donc il y a du monde. Nano, ce que tu vas faire, poulet, c'est que en gros, quand tu vas ouvrir cette porte là, d'accord, avec une smoke dans la main, ok. Tu sais que ton scope là que tu utilises là, tu peux l'utiliser sous les portes, mais tu peux l'utiliser comme prolongement, comme je suis en train de le faire là en fait. Ok. Tu peux l'utiliser là par exemple, tu vois.
Ok, d'accord. Et puis tu veux que je la balance où ma smoke? Elle est bonne, j'ai ouvert la porte. Donc on est bon. La smoke porte, regarde. Non. Dites-toi rien, faites rien. Quoi? Regarde, viens là où je suis doucement. Bah tu vois dans l'angle. Tu vois le manteau noir là-bas? Ouais. Eh bah c'est là que tu vas la balancer. Okay. Nous on est là, y'a personne devant. Ah ouais, y'a personne devant. Quand, hein. Nous maintenant à la double porte, y'a personne, hein. À droite. Mais si, c'est à votre gauche qu'il y a le machin. Faites-moi confiance, les poulets. Oui, mais il y a un mur. Il y a un mur. Quoi? En fait, il y a une petite porte encore. Attends, Six, toi, le mec là où il y, y a les deux preneurs de tâches, c'est au niveau de la porte juste à ta droite. Quand tu regardes l'intérieur. Ouais, c'est close à toi, Six. Ouais, en fait, ce que tu vois au fond là, le manteau, et ben nous, on est à la double porte et à gauche, il n'y a rien du tout. C'est une sorte de bureau. Et ok, non, prends ton taser là. Au cas où il y a un mec qui sort contact à droite. Vous êtes sûr de ça? Ah ouais, bah regarde sur ma cam. On peut pas voir la truc. Ah non, tu vois pas. Non, attendez. Là, il a ouvert la porte et ce serait là-dedans. Oui, en fait, viens de mon côté, Six, tu vas voir. Oui, mais je vois, mais. Oui, je vois les genoux de l'otage et je vois même le pas de l'autre là. La double porte, c'est là où on est, nous. Deux secondes. Oui, je vois la double porte, c'est moi qui vous ai dit de vous y mettre. Mais le truc, c'est que moi, je pense que c'est à gauche de cet endroit-là qu'il y a du monde. En fait, si nous, on rentre à la double porte... Je regarde ici. Oui, t'as raison. Mais c'est si à l'intérieur. Si on rentre à la double porte, après, il y a une autre petite salle à gauche, en fait. On est obligé de faire un tour. Tout à l'heure, on est passé avec Deltardos quand on était sur la map bombe. Mm-hmm. Le problème, c'est que il y a deux otages. Et en fait, il y a un des otages qui a une blouse blanche qui est accroupie. Et en fait, les deux preneurs d'otages sont... sur lui. Ils sont vraiment collés à lui en fait. T'en as un avec un fusil. Je sais, ça va tirer dessus. Mais toi, vous avez la même pièce qui est là. Et donc en fait, toi, tu vois pas la double porte en face. C'est ça l'idée. Ah, ok. Non. Bien pris, c'est bon. D'accord. Toi, ok, donc de facto, de fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, sur votre double porte, vous pouvez l'ouvrir maintenant en faisant. Oui, attention, celle de gauche, en prenant celle de gauche, parce qu'il peut y avoir un angle mort quand même. Ouvrez celle de... Piquez celle de gauche et ne la poussez pas avec le bouton, mais poussez-la avec votre épaule. Elle se poussera. Voilà. Donc vous pouvez rentrer dedans et venir jusqu'à 90 gauche, là. Rentrez à l'intérieur. Doucement. Et vous pouvez normalement venir au contact visuel de Nano qui va être en face de vous. Ouais, je les vois, là. Ok, surtout, on est bon. Pas dans la salle. Et donc du coup, mettez-vous à 90 degrés. De ce mur là. Et l'idée c'est quoi? C'est... Oh putain. L'idée ça va être quoi? Qu'est-ce qui peut être... En fait ce qu'il aurait fallu c'est flashbang. M320 flashbang ça aurait été le mieux. C'est le seul truc qui peut être instant parce que c'est à l'impact. Toi de ton côté il aurait fallu du C2. Attends, on va tenter un truc. Ça peut peut-être tout faire foirer. S'il te plaît, Yayo, pique la porte. Juste pique. Ouais. Hein. Dis-moi si doucement. Si bouge ou pas. Bah, de manière, ils vont tuer hein, si c'est mort. Stop. Ok. Donc du coup, ça sera beaucoup plus simple pour toi pour y aller. T'auras plus qu'à la pusher et avec ton arme principale. Donc toi, tu pushes avec ton arme principale. Moi, je vais venir avec mon arme principale. Bisous, tu ouvriras sur ta ligne, tu ouvriras vers la droite. Tu vois ce que je veux dire? Pour aller en face de la porte. Et à la limite, on y va sur le déclenchement de la smoke qui sera au niveau de l'épaule gauche de Bisous, celle de Deltardos qui tape dedans au final. Ok. Là, tu vois ou quoi? Bisous commence. Quoi? Toi, non, Nano, tu fais pas de smoke. Tu y vas avec ton arme principale et au moment où on ira go, tu fais un grand tout droit. Ok? Arme principale. Et tu bourrines dedans. Il faut que tu te décales un peu à gauche. J'ai une chaise qui me bloque, moi. Ok. C'est moi. Moi, là, je peux smoke l'intérieur, hein. Ok, tu peux smoke l'intérieur, mais tu vas peut-être te foirer là-dessus, t'es sûr? Vas-y, je la tente, hein. Ok, déjà, vois ce que ça fait de dégoupiller. On va tenter ça. Mais là, non, c'est pas juste dégoupille. Ok. T'inquiète. Ok, très bien. Eh ben, donc c'est toi qui la prends. Donc du coup, Deltardos, faut que tu te mettes légèrement à sa droite pour être prêt à taper dedans et à ouvrir ta ligne, ok? Ok. Tu peux passer là. Bisous. Quand je te dis 3, 2, 1... Attention. Quand je te dis 3, 2, 1, tu balances et on va y aller. On fera un top action. Yes. 3, 2,
1, go. Top action. Go. Il a fermé la porte. C'est bon. C'est fait. Nickel, impec. Arrêtez-les avant. Let's go. Arrêtez-les avant qu'ils reprennent une arme. Tout le monde. On met la main à la patte. Balancer du C-allume là-dedans. Non, Benoton reste user force, on l'a pas. Bah attends. Ouais, c'est normal. Ouais, parce qu'on les a rappelés en fait. Ouais, y'en a un, il a mitraillé fort. Tu fais quoi, Nano, avec la personne là? Tu peux rendre. Tu peux rendre. Je peux rien faire. Nano. Oui. Rends la personne avec laquelle. Rends-le. Ce n'est pas un prisonnier de guerre. Tu ne peux pas. Wow. Oula, violent. Merci Furlex. Comment ça va, mon poulet? Merci pour les 2 ans de frais de scolarité. Salut frère de boisson. Pourquoi? Oli, poulet? Ah. Ah non, non. Donc, du coup. Ok. J'ai bien envie, d'accord, donc déjà on va partir sur la même logique, j'ai bien envie de taper du... Je vais aller voir ce que ça donne, un M320 en flash, et je pense que M320 flash, ça va être le truc le plus direct. Parce que le problème de la smoke, c'est quand est-ce que ça se trigger? Est-ce que ça se trigger quand ça envoie la smoke? Est-ce que ça se trigger quand la smoke tombe au sol? On sait que ça se trigger pas quand ils entendent le dégoupillage. Mais je crois que ça, ils peuvent trigger quand la cuillère elle saute, c'est-à-dire quand tu la lâches de ta main. Non, ça a trigger en fait du moment que il a entendu la smoke tomber. Ouais, moi j'ai pas l'impression que ça les ait trigger. Nous on est rentré dedans tellement rapidement que. En revanche, moi j'ai spam comme un enculé. Hein. J'ai pas cherché à comprendre qui était qui. Dès que Bizou avait lancé la smoke et qu'elle a tapé contre le mur, il a tout de suite fermé la porte. Ouais, c'est vrai ça. Ah ouais, bien vu. Il a fermé la porte à partir du moment où j'ai lancé genre la smoke. Genre mandarin pêche demain quoi. Ouais, genre mandarine pêche demain quoi. T'as la forme. Ouais, grave. La forme et mandarine pêche, ils me l'ont envoyé aujourd'hui, moi. Yo, Gazulb, comment ça va, mon poulet? Ils me l'ont envoyé aujourd'hui et c'est devenu l'une des top... Parce que je dois avoir 5 ou 6 goûts. Et c'est devenu l'un des top goûts que j'ai vite rincé, d'ailleurs. C'est vraiment trop bon. Ça va. Je suis désolé, ça fait longtemps que je peux pas passer sur ton live, poulet. Mais je continue de payer mes droits. Je continue de payer mon sub, mais ça fait longtemps que je ne suis pas passé, comme d'habitude, partager. C'est ce que je disais hier, je dois payer 50€ de sub et je vais jamais partager. Et les gens, ils doivent se dire, mais quel enculé, il vient jamais. Mais en fait, je continue de payer. Je l'ai reçu avant-hier, il est top 1 IST pour moi. Franchement, le mandarine pêche, là, bah je peux te dire qu'il est... J'en parlais tout à l'heure, il est meilleur que... Il est meilleur que quoi? Il est meilleur que Apple. Et il est aussi bon que Hibiscus truc Michelin. Merci poulet. Mais par contre, du coup, si tu veux essayer au M320, faut faire gaffe au rebond. Oui, je sais. On va aller tester ça en bas. Eh, Furlex, tu fais de l'airsoft ou pas, du coup? Tu t'y es remis un peu ou pas? Il faut que tu me dises où est-ce que tu habites. Parce que j'ai peut-être un truc à te proposer mi-mars. Genre, si tu veux qu'on fasse de la vidéo YouTube, tout ça. Genre, vraiment, un truc cool. Si tu veux, viens me voir sur Discord et je t'en parlerai. C'est vrai que j'ai pas oublié, j'y ai pas pensé. Par contre, je sais pas si vous le saviez okay. Ou si c'est moi qui viens de découvrir un truc, mais si vous appuyez sur Alt, vous décalez plus que si vous appuyez juste simplement sur la touche A. Ouais, c'est un effet visuel, mais ton perso il le décale pas en vrai. Ah bon? Quoi, vous visez, ouais. Là, c'est le truc à la Tarkov, quoi, justement. C'est genre tu viens mettre ton pied sur le côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et si vous appuyez sur la touche haut et bas, il monte et il descend. Oui, oui, il se met sur la pointe des pieds, ouais. C'est dommage que le bonhomme à droite reproduise pas la stance comme dans Tarkov. Bah, j'en avais jamais fait. Je suis pas loin de Van. T'as refait des vidéos Airsoft? Y'en a une qui sort, là. Ah, désolé, les amis, ça part dans tous les sens. Oh, je peux pas, le table, j'en peux On plus. A perdu Six. Bref, il a volé. Ah ouais, c'est l'alt tab. Trop relou. Je peux pas alt tab. Mais oui, il y a une vidéo qui sort dans une semaine, je pense. À peu près. Elle arrive. C'est une vidéo qui a été tournée à Saint-Cyr. L'école militaire. Vraiment cool. Dans le centre, dans le village de combat de l'armée. Vraiment super sympa. J'avais kiffé les vidéos Airsoft au cœur du jeu. Ah, c'est cool.
Et ben là, il y en a une qui sort et il y en a une autre qui est en préparation. Et là, justement, il y a un gros gros truc au mois de mars. Ok, vous êtes là du coup? Ok, ouais, je veux juste aller tester du M320 du coup à flash, voir le fonctionnement. Parce que qu'est-ce qui pourrait être autrement intéressant? Alors, je suis pas assez calé dans le jeu pour savoir. Mais est-ce que c'est toujours dans la même pièce ou pas? Quelqu'un peut prendre un Stinger, please? Bah non, non, mais ça va être dans une... Enfin, on peut... Ouais, dans un truc similaire, quoi. Oui, mais là, ce qu'on a fait, c'est que je voulais vraiment qu'on ait cette approche méthodique comme on l'a fait, parce que ça ressemble exactement à ce qu'il faut faire, normalement. Et c'est cool qu'on ait pu pousser jusqu'à cet endroit-là, parce que là, les dernières fois, quand on avait essayé, dès que tu faisais un bruit, ça déclenchait le truc, donc tu voyais pas, quoi. Le but du jeu, c'est justement d'arriver à se... À comprendre qu'il va falloir les trouver à un endroit, que ça va être la merde, et il va falloir jouer avec ce petit... Un peu comme des Mikado, quoi. Tout petit par petit, il va falloir avancer, voir si le dégoupillage, ça les trigger, voir si ça, ça les trigger, pour pouvoir faire un truc hyper coordonné et en une demi-seconde que les mecs soient hors d'état de nuire. Attends, je vais regarder le M320 du coup ce que ça donne. Si quelqu'un veut essayer le Stinger, j'aimerais bien. Ouais, là j'ai essayé le Stinger, ça pète direct. Hein. C'est en impact? Ouais, c'est en impact. Hein. Ouais, ben. Cool. Attends, j'essaie de. Ouais, même de proche, c'est impact. Attends, mais oh, les gars, si c'est de la flash, il nous faut utiliser ça. Si c'est quoi? Attends. Mais ça tu là, et donc ça, ça donne quoi? Ouais. C'est en flash. Attends. Là, et franchement, on spam ça, c'est terminé, hein. Ouais. Vous êtes où, les gars? Ah, mais est-ce que ça, c'est pas une autorisée de force Mais c'est quoi, ça? Voulez... Bah, normalement, si ça touche... Ah oui, un MGL. Si ça touche, c'est mieux. Mais c'est un MGL, quoi. C'est explosif. Mais non. C'est un MGL explosif. Grave pas. Non, c'est un stun. Ah ouais. Non, mais là, c'est obligé que ça fait une autorisée de force, c'est pas possible. Bah attends, on va tester avec l'otage là-bas. Il est où? En vrai, ça sert à quoi de partir avec un M320 si tu veux prendre ça? Bah après, on n'a pas l'esprit, quoi. What? Vas-y, arrête-le. Mais vous m'avez tué, les gars? Non, tu t'es tué tout seul, mais on n'a rien fait, hein. Mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'il l'a tué, là? Alors, à l'aide, qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais Yayo, c'est toi qui as tiré là? Bah voilà! Il va respawn! Ouais. Il va respawn! Attends! En faut fait. Il faut tirer une fois! T'as le bouton de et ta là, souris tu vas qui respawn! What, c'est quoi? Pourquoi ça explose encore? Qu'est-ce qui t'arrive, en fait, Bisou? Non, bah t'as disparu, Bisou! Je comprenais pas, mais les personnes tirées, ça a explosé. Bon allez, réveille-toi, toi. Par contre, on a que... Y'a pas de recharge. C'est ridicule. Le fait que les gens disparaissent, c'est ridicule. Oh putain. Ah, tu m'as raté. Mais... Ah, fils de pute, là, tu m'as pas raté. Ah, y'a une détente. La grenade, elle reste en l'air après. Putain, je peux pas recharger avec ça. Ah merde. Ah merde, je peux pas. Oh, tu reload. des blaireaux. Les persos qui disparaissent, bah ouais, ça fait respawn les gens. Donc ça veut bien dire que ça tue. En revanche, néanmoins, on arrête 2 secondes. Quelqu'un peut flasher le bonhomme et l'arrêter et voir si ça lui fait le unauthorized ou pas. Bah moi j'ai le lance-grenade, du coup ça va le tuer, je pense. Non, il y a des MGL flash, hein. Ouais, mais moi j'ai l'MGL explosif là. Ah bah oui, ça c'est sûr que là, oui. Ça va être problématique. Bah oui, forcément. Il respawn pas là.
Merci Yayo. Yayo il a défoncé. En plus il était confiant. Il a dit non c'est un MGL flash, t'inquiète ça va pas le tuer. Il a explosé le... Néanmoins je pense que c'est quand même une bonne Respawn. Hein? Attends. Il a respawn. Non il a pas respawn. C'est Deltardos mais... ça arrête de le prendre pour un bot. Mais là ici. Non on le voit pas. Moi il est au sol avec une grosse mare de sang. Pareil. Il est là. Bonjour monsieur. Mais oh. arrête-le, vois. Ah si c'est bon, moi je le vois. Il faut mourir je pense pour le voir. Ah bah... Attends, je vais le flash. Arrête-le, Yayo. Mais je... Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Mais ça marche pas. Oh putain, il m'a énervé là. Vous m'énervez tous là. Vous êtes débiles. Ah, pourquoi ça marche pas? Ah ouais, y a pas l'option en fait. Je pense qu'il est bugué. Ah bah dis-le, Yayo. Mais... Ah oui, ouais. Complètement bugué le... Du coup, vous voulez pas essayer? Oh, niquez-vous, allez vous faire enculer. Mais du coup, attends, si on utilise les flash, faut des trucs anti-flash. Non, fais gaffe derrière toi! La façon dont il disparaît, c'est tellement drôle. Mais t'as fini! On va pas prendre ça, hein. Moi, je vais garder mon bâton d'optique comme ça, je tuerai personne. Attends, je vais essayer. T'arrives hein, même pas à me viser. Oh, le débile. Ok, allez, stop, là. Ok, on prend ça, ça me plaît, ça. On y va et on tape de la flash en direct. Autrement, quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être sympa, vous pensez? En vrai... Shotgun, non, laisse tomber, Yayo. Non, laisse tomber, c'est pourri, ça, tu le sais. Les gamins, ah ouais, les enfants, quoi. Il y a un mode solo sur le jeu. Alors, oui, mais je... Franchement, c'est vraiment pour moi la définition du jeu coop, ce jeu, quand même. Voilà, quoi. En solo... C'est qui me spray? Ok, let's go, les amis. On y va, on retente ça, du coup, même chose. On essaie de s'approcher, d'identifier, de savoir où est-ce qu'on peut récupérer le truc. Problématique, c'est que on va, du coup, trade les... On n'a plus de trucs optiques, sauf pour toi. Qui est-ce qu'il y a ça? Bah, Izu, t'as regardé... Ok, mais t'es solo, poulet. Hein. Donc, moi, j'en ai un truc optique. Hein. Attends, je du coup, attends. Bah, du coup, qui a pris du 320, du coup? Toi et Yadio, je crois. Bah attendez, est-ce que du coup moi, est-ce que je prends ça ou pas? Deltardos, on vous voit. Et on vous voit la caméra, arrive, les arrive, autres là. En train de vous golden showeriser là. On voit deux mecs qui passent. Il y a un solo, mais tu demandes à tes collègues IA de ne pas bouger. Ouais, mais ils sont débiles, l'IA. Mais non, mais tu joues pas à l'IA avec ce jeu, ça enlève tout le truc. Tu pars avec deux potes. Même okay. Toi, quand on joue avec moi, on a l'impression de jouer avec Delta, quelqu'un. Delta, quoi, du coup, sur le dos? Moi, j'ai de la caméra. Bah, vous êtes trois à voir la cam, du coup. Là, ouais. Ça fait beaucoup, je pense. Allez, moi, deux cams seulement. Bisous, cam, Del, cam, et Nano, va prendre un M320, please. Je sais même pas ce que c'est. Hein. C'est un M320. Regarde-le en train de se balader avec son truc. Mais je sais même pas ce que c'est, un M320. Regarde-le. C'est le seul mec qui va réussir à tuer un allié, un ennemi et un otage avec le M320. Il m'emmerde le capitaine. Hein. Prends pas l'explosif, Nano. Prends le à la place de ta, à la place du truc télescopique derrière toi là. Il faut que tu prennes un M320 flashbang. Tu le vois ou pas? Non. Attends, je vais trouver. À la place de mon bâton. Voilà. Oui, voilà. Ah, clique sur le bâton et prends M320. C'est pas dur. Voilà, ok, je clique sur le bâton. Et tu cliques sur M320 flash. Ok. M320 with flashbang, voilà. Oui. Voilà. Et là, bon bah, je pense qu'on va essayer ça et ça me paraît pas mal. En avant! Attends, tu veux que j'utilise ça du coup ou pas? Nick Tam, oui, le MGL, si tu penses, ouais, vas-y. Parce que du coup, j'ai pas d'arme principale. Oui, je sais, mais bon, en l'occurrence, je pense qu'on est pas trop mal, quoi. On essaie de faire la même chose que tout à l'heure, d'identifier le truc et puis en avant quoi. Où est-ce que c'est? On a fait ça un flashbang honnêtement. Parce que c'est l'onomatopée. Attendez à la base normalement ça devrait être ce qu'on appelle une grenade au phosphore.
Et à la base, les Américains ont dit non, en fait, pour grenade de phosphore, c'est trop compliqué. Du coup, ils ont appelé ça flash et bang. Flash, c'est pour le phosphore. Et bang, c'est parce que ça parce que ça fait un énorme bruit très sourd qui vient du coup niquer ton oreille interne. Les gars, parce que peut-être changer vos masques du coup si on joue avec les flashs. Non. Mais moi j'ai des smokes encore. Il y a des smokes encore, poulet. Hein. Moi aussi j'ai des smokes. On s'en fout, ça ira, t'inquiète. J'aime bien l'idée, mais on verra ça après dans un autre temps. Ok. Allez, je pense que ça va le faire. Bon, ouais, ok. Bah, du coup, je passe en dernier. Hein. Tu passes en dernier. Ouais, bah l'idée c'est d'avoir la même chose que tout à l'heure et après d'ouvrir les portes, d'identifier des murs qui seraient à côté des bonhommes. Et à un moment, on fait 3, 2, 1, boum, 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 et on balance à l'intérieur. Tu vois, des murs, je dis bien, pour pas avoir des tirs en direct vers les mecs parce que ça les tue. Comme t'es sexy quand t'expliques le fonctionnement des armes. Grrr. Enfin, avec ma maigre reconnaissance. Mais ouais. Pour info, le. Ça explose pas l'impact. Ça. T'as laquelle ? La tienne ? Bah, les tiennes aussi, non ? Non, à l'impact. Ah non, okay, puisque la M320 Flashbang, c'est une vraie. C'est la même chose que le principe explosif. C'est une détonation à l'impact, en fait. Ça détonne à l'impact. Okay. C'est le truc qui va faire que ça comprime le machin. C'est la même chose qu'une explosive, au final, sauf que. Bah, à la place de l'explosif et du shrapnel, tu mets du phosphore, quoi. Même s'il y a toujours une touche d'explosif dedans, j'imagine, pour faire peut-être le truc. Bah, la mienne, c'est. Deux portes sont fermées. C'est pas mal. Il va falloir. Ouais. Voilà. Je check celle du fond. Compartimenter les. Tomber un chargeur. On s'en fout. Il y a personne dans le couloir pour l'instant. Il y a peut-être quelqu'un à droite. Il y a un mec à droite. Il se déplace. Il va à gauche. Ça pique, t'inquiète. Double porte de gauche, tout au fond. Double porte de gauche tout au fond. Ouais. C'est toujours clair, mais je sais pas s'il y en a un à droite. Genre, j'ai cru entendre marcher. Okay. Il est allé vers le. Je push le poulet. Vas-y. Vers la double porte qu'on avait avant en dernier. Attention, tu viens te mettre au coin du corner, bisous. Ouais. Et tu prends, hein. Tu prends l'extension. Qu'est-ce que c'est là? C'est bon? Bisous. Ouais. Coin du corner à droite, main courante à droite. Ah. Ok. Il était au fond. Hein. Attention. Ça a tiré. Bah. On y va, on accélère. J'ai deux otages ici. Mais là c'est fini, non? Ouais, bah je pense aussi, mais ça a tiré à cause de. Y'a un mec derrière la porte, je crois. Ah ouais, y'a un mec derrière la porte là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en loup? Talk reporting. On y va, on push devant, vas-y, bisous. Ouais, je suis là, toi. Ça a tiré dedans. Tu leur as tiré dessus? Hein, tu leur as tiré dessus? Non, lui il était déjà mort. Ah ok. Donc il était déjà mort, ok. Non mais il faut qu'on voit quand même comment ça marche. Ouais. C'est quoi qui a déclenché les premiers tirs? Bonne question. Je sais pas. Parce que nous on a fait vraiment aucun bruit. Est-ce que vous avez tiré, vous avez lancé une flash, non, quelque chose de l'autre côté? Rien du tout. Une porte, ouvert une porte? Attends, vous aviez ouvert la porte ou pas? Oui. Bah ils vous ont vu du coup? Bah oui. Non. Là il y avait personne. Il y a personne. Ouais, bah non, faut se dépêcher, ça va être comme ça. Ouais. Et les mecs, ils. Attention, oh, c'est ouvert. Faut y aller de toute façon. Faut essayer de mettre des flics, hein. Faut essayer de mettre des flics au taser. Vas-y, bisous. Il y a du monde à droite. Droite, il y a du monde. Faites gaffe à droite, hein. Probablement. Il y en a un à droite. En face. Attends, ça marche trop bien. J'ai deux otages avec ça. J'ai un mec sur moi. Bon, écoute, t'es en train de me faire chier, toi. Putain. C'est bon les gars, on est bien. En vrai, le truc des 320, c'est quand même incroyable. Ça arrive, ça les cam direct. On continue, on push, hein. Go. On a arrêté tout le monde, tous les mecs. Tu crois? Ouais. On a eu les 500. Vas-y, tape dedans, Yai. Y'a un otage. Mort? Non, vivant. Bisous, c'est bon. Continue.
J'ai un otage sur moi. Attends, t'es sérieux que ça se soit joué comme ça? Personne ne meurt, le mec. M200. Non. Le M220, je suis turfu. M320, et toi c'est un MGL que t'as, c'est pas un M320. C'est un 40mm. Ah, y'avait une M. Bah, je pense que c'est les mêmes projets qu'ils ont. Hop là. C'est du 40. Il manque personne. Ah, gros, j'ai mis deux grosses balles. On a pas encore fini, il y a encore des otages pour le moment. Civilian reported. Il va manquer deux otages. Bah, comment? Il y a peut-être garderie, vous avez regardé la garderie? Garderie, ouais, je viens d'y aller là. Il y avait deux otages, je les ai pris. Ah, lui il a une arme. Il y en a un derrière là, tu l'as. Ok, c'est bon, j'en ai un, ouais. Get down and put your hands up. Lui, on est arrivé sur lui. Dès que vous nous avez dit gauche, j'ai pushé à l'intérieur parce que j'ai compris que c'était. Hein? Quoi? Stop! Stop, stop, what? Stop là. Oh. Mais et... non, trop bien. Trop facile ce jeu. Trop facile, mais le coup du M320. Bon alors là c'est moins beau que tout à l'heure. J'aurais préféré quand même un truc un peu moins hasardeux. Mais ah le ouais. Coup du M320, franchement ça tape direct. Hein. C'est, je te l'ai dit, c'est le seul truc à impact en fait. Parce que les pepper spray, c'est un truc direct, mais parfois, ça leur fait rien. Le taser, c'est bien. Et encore, ils l'ont nerfé. Et ils l'ont nerfé sur sa range. Donc maintenant, M320 à côté, bam! Terminé, quoi. En revanche, l'effet a pas l'air de durer 3 heures. Ouais, il dure vraiment 2-3 secondes. Mais moi, tout à l'heure, j'ai fait ça. Je fais M320, t'arrives sur le mec, tu fais FFF, nanana, rendez-vous. Et tu prends avec ton taser, tu mets le laser au niveau de son buste. Et il est en train d'être un peu groggy là. Et dès qu'il reprend. Dès s'il veut pas lâcher son arme. S'il lâche pas son arme pendant qu'il est groggy là. C'est qu'il va te tirer dessus. Quand il va reprendre connaissance, c'est forcément qu'il va te tirer dessus ou essayer de se barrer. C'est ce qui m'est arrivé. Justement, quand il avait flash avec son lance-grenade, il a pas voulu lâcher son arme. Exactement. Et du coup, j'ai dû le retirer. Pareil. Donc en fait, en gros, tu le flash, tu vas à côté de lui, il est un peu en mode. Et s'il lâche pas son arme pendant ce moment là, pendant cette période de temps là, quand il va reprendre connaissance, c'est forcément pour te tirer dessus. C'est obligé. Et parfois, il va tirer deux coups et lâcher son arme, mais jamais il va directement lâcher son arme. Donc, t'es obligé d'être en mode lâche ton arme. S'il essaie de la reprendre, bah, faut le remettre dans une situation de stun. Donc, tu le retases. Et te retaser, tu peux le taser autant de fois que tu veux. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le lance-grenade que j'ai moi, j'ai stunné un mec, il est resté très très longtemps en stun. Ah ouais, ouais. C'est les mêmes grenades, je pense. Connais-tu des sites fiables pour acheter un compteur 6? Je sais pas, mais t'es déjà utilisateur suspect, Neven. Donc si tu continues avec ces questions à la con, tu vas faire indirectement, je t'ai dit, un aller sans retour à Pyongyang. Voilà. Il vous parle d'acheter un compteur 6, les mecs. Hein. Il vous parle pas d'acheter Rainbow Six. Acheter un compteur 6, c'est interdit. En... Ouais, je dis juste ça, si c'était pas très clair. Alright. Du coup...